Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle lettre. C'est la lettre G. Alors, on va commencer par le premier tableau. Le G se prononce G. G. G plus A, GA. G plus O, GO. G plus U, GU. Le G avec le A, avec le O, avec le U, avec ses voyelles, c'est un G. C'est un G. Et je dis le gâteau. Le gâteau. Je passe. Le G avec le U, c'est un G. Si j'ajoute la voyelle I, il va. Je vais lire GI. GI. Parce que si j'enlève le U, c'est un J. C'est un J. Avec le U, c'est un GI. La guitare. La guitare. Le G avec le U, un GU, plus la voyelle E, GE, GE. Si je supprime le U, il deviendra un JE. Je lis JE. Et je dis la bague. La bague. Maintenant, mon G, il va se prononcer J. J. Là, vous voyez, si j'enlève le U, c'est plus un G, un G. C'est un J. Le G avec le I directement, c'est un J. J. La girafe. La girafe. Le genou. La même chose. Le G avec le E, c'est un je. Et je lis le genou. Le genou. Manger quand il est accompagné de la consonne N. Quand il est accompagné. Il va changer. La prononciation va changer. Alors, et je vais dire la montagne. Le GN, c'est un nieu. Le GN, c'est un nieu. Alors, GA, GA, GO, GO, GU, GU. Le GU, I, c'est un GI. Le GU avec le O, c'est un GE. Le G avec le I, c'est un J. Le G avec le E, c'est un JE. Le G avec le NE, c'est un NIE. Maintenant, on va passer à l'écriture. Alors, regardez la lettre G. La ligne, l'interligne. Et deux interlignes sous la ligne. On va d'abord l'écrire. Bon, je vais repasser avec le stylo. La lettre. Regardez. Je trace ma lettre. Je fais un rond. Je trace un trait vertical et je fais une grande boucle. Je trace un rond. Je trace un trait vertical et je fais une grande boucle. Maintenant, avec le doigt, on va tracer la lettre. C'est comme on la trace en l'air. Et on va commencer. Voilà. On va refaire le travail. Un, deux, trois. La lettre G s'écrit en trois
trois mouvements. Je passe maintenant à l'écriture. Alors, un rond, un trait vertical et je fais une grande boucle. Allez, ensemble. Un rond, un trait vertical, une grande boucle. Oui, on va l'écrire encore une fois. Voilà. Très bien. Maintenant, on va l'écrire en respectant les normes d'écriture. Je vous ai dit la ligne, l'interligne et deux interlignes sous la ligne. Je repasse. Voilà. Je vais tracer le rond, un trait vertical, une grande boucle. Un rond, un trait vertical, une grande boucle. Un rond, un trait vertical, une grande boucle. J'espère, mes chers enfants, que vous avez compris. Il faut respecter les étapes, il faut respecter la ligne et les interlignes. On passe maintenant à l'exercice. Entoure les images en rouge. Sais-tu entends je. Et en bleu, sais-tu entends g. D'accord? Alors, regardez bien cette image. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Coquillage. Coquillage. Qu'est-ce que j'entends? Je. Très bien. Je vais entourer en rouge. Règle. Règle. G. Très bien. En bleu. Ok. Qu'est-ce que c'est? Nuage. Nuage. Qu'est-ce que vous entendez? Je. Très bien. C'est un animal sauvage. Qu'est-ce que c'est? Girafe. Girafe. Je. Très bien. Goutte. Goutte. Une goutte d'eau. J'entends g. Gomme, gomme, g. Jupe, jupe, je. Bougie, bougie, je. Alors, et vous voyez les enfants, on a entouré là où j'entends « je » en rouge et là où j'entends le « g » en bleu. Je passe. Je passe à la deuxième activité. Une consonne et une consonne.
Le kangourou. C'est un animal sauvage et il saute beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Kangourou. J'ajoute le G. Et le G avec le O ou bien avec le OU. Le OU, c'est un go. Go. La E. Si j'écris le jeu, je vais lire la page. Qu'est-ce que c'est la page? Mais si j'écris le G avec le U, il sera la bague. Bague, bague. Un escargot. Vous avez le O. Très bien. C'est le G. Un escargot. Là, vous avez le I. Si je mets le G avec le U, girafe, non. J'ajoute le G. Et je lis la girafe. Le genou. J'ajoute, j'écris le G. Un mensonge. Le G. C'est un instrument de musique. J'écris gu, la guitare, le, j'ajoute le G et j'ai le village. Alors, je lis une glace, le kangourou, la bague. Un escargot, la girafe, le genou, un mensonge, la guitare, le village. On va passer maintenant à d'autres activités. Alors, entoure le dessin, c'est tu entends le son G. Entoure. Ça veut dire le son, pardon, c'est le son G. Le son G. Camion. Très bien. Il n'y a pas. Église. Oui. Église. Globe. Oui. Toboggan. Toboggan, très bien. Cochon. Non, il y a le C, le que. Muguet. Muguet. Très bien. Serein. Serein, très bien. Et voilà. Je passe. Coche. Coche la syllabe dans laquelle tu entends le son toujours G. Quand je dis escargot, escargot, troisième syllabe. Guitare, guitare, première syllabe. Gâteau, gâteau, première syllabe. Dragon, dragon, deuxième syllabe. Kangourou, et voici un kangourou, deuxième syllabe. Très bien, je passe. Lis les mots, puis complète par gu ou bien g. Alors, qu'est-ce que c'est? Le regard.
guitare. Égal. Égal. La. La. Digue. C'est rigolo. Rigolo. Une algue. Le goujon. Les, j'ajoute le G pour avoir des légumes. Ici, je vais écrire gu pour avoir une bague. Le G, une galerie. Et la dernière, le dernier mot, c'est une gomme. Une gomme. Très bien. Quatrième activité. Entoure les lettres G. Entoure les lettres G. Que l'on. Non. C'est un G. Ça, c'est un G majuscule en script. G minuscule en script. P, très bien. G majuscule en cursive. G minuscule en script. P. P. Que. K. G. Très bien. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un G? Non. C'est le numéro 9. 9. B. Oui, la lettre F. K. Le C majuscule en cursive. Et le G en cursive. Minuscule. Et ça, c'est le C. C'est bon? Et regardez bien les différentes écritures du G. Regardez bien. Alors, on passe. Maintenant, on va relier chaque image au mot correspond. Qui correspond, pardon. Relie chaque image au mot qui correspond. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une vague. Très bien. La vague. La vague. Gomme. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Que représente ce dessin? Guy. Très bien. Et ça c'est quoi? Une goutte. Je reprends. Vague. Gomme. Guy. Et goutte. Alors, je vous remercie, mes chers élèves, d'avoir été très attentifs avec moi. Je vous dis au revoir au prochain cours et merci encore une fois.